Couscous tout le monde! Hey, aujourd'hui, c'est l'enfer à cause de quoi? C'est à cause qu'on joue dans mes cheveux! Ben, on joue pas dedans, on fait ma coloration, ben, on fait mon bleach, ma coloration, pis tout. En tout cas, on fait mes cheveux. Oui, gang, je suis super énervé pour plusieurs raisons. Une raison, c'est que j'ai peur de plus avoir de cheveux après cette vidéo-là, mais hein, on va reparler de ça dans un petit peu plus longtemps. Dans un temps. Non. Non. On va en parler tantôt, c'est ça que je veux dire, ok? Et j'ai acheté une nouvelle coloration qui, d'après tout le monde sur les internets, est THE coloration de couleur qui tient le plus. Parce que vous le savez, regardez, là, je suis blond blanc, mais avec une belle repousse à la Madonna. Like a virgin, ooh, touch for the very first time. Like a virgin. Oui. Alors, j'ai les cheveux à la Madonna et ça me tente de remettre de la couleur. Je suis encore dans mon trip de couleur, flash, etc. Et, ben, c'est ça. La seule chose que j'aime pas, c'est que Colin Puff, faut que je me le refasse tellement souvent. T'as pas idée comment c'est de l'entretien des cheveux roses, mauve, bleu, whatever. Si t'es pas quelqu'un qui aime ça faire ses colorations aux semaines, c'est pas pour toi, mon ami. Je te le garantis. Et là, c'est ça. J'ai regardé sur Internet et il y avait une compagnie... faisait des colorations, mais des UK. Je me souviens pas la marque. Je l'ai pas devant moi, mais je vais t'en montrer dans quelques secondes. Fait que keep up with me, là. C'est pas grave, même si je te le dis pas tout de suite. Tu vas juste être obligé de regarder un petit peu plus la vidéo. Mon chanceux! Mais tout ça pour te dire que c'est ça. Il y avait une coloration des UK, que ça a l'air que ça dure vraiment, vraiment plus longtemps que... tout ce qui est Manic Panic et toutes les autres que j'ai essayé. Fait que, ben, j'en ai commandé. Ça a pris du temps tabarouette à arriver parce que c'est une compagnie des UK. J'étais pas capable de l'acheter sur leur site à eux parce qu'ils livraient pas au Canada. Fait qu'il a fallu que je trouve un magasin aux États-Unis qui en avait, qui livrait ici. Ça a été tout un chiol. Ou si, attends, je me trompe peut-être. Il y a deux raisons dans la vie pourquoi je ne jette pas sur le site régulier. C'est soit que la livraison est vraiment trop chère ou qu'ils livrent pas au Canada. Fait que c'est soit ça. C'est soit qu'il livrait pas au Canada, ou soit que la livraison était trop chère. Puis je te l'ai dit il y a deux secondes, mais je te le redis, j'aime ça me répéter, j'ai 35 ans. Bon. Fait que tout ça pour te dire que je l'ai reçu, et là, j'ai trop hâte de le faire. Mais là, je panique un peu parce que la dernière fois que j'ai fait mon décolorant, je ne te niaise pas, gang. J'ai les cheveux très courts, et là, je laisse allonger. Fait que, en plus, mais la dernière fois que j'ai fait ma coloration, quand j'ai rincé, je pouvais faire ça de même, et mes cheveux tombaient. Je faisais ça comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, pis ça tombait. Fait que, moi, t'as dit qu'après la dernière fois, je me suis procuré plein d'Olaplex. J'ai le masque 4 en 1, j'ai le traitement, le 0 plus le 3. Je fais tout pour que mes cheveux supportent mes prochaines folies. Alors, si dans la prochaine, bientôt, là, parce que je vais te dire bye, m'en va me bleacher les cheveux. Si quand je reviens, je pleure sur la chaise et que ça ressemble à... mais plus comme ça... c'est que j'ai plus de cheveux et que je pourrai pas te montrer le résultat des nouvelles colorations que j'ai achetées. Sinon, ça va être fabuleux. Crois-moi, j'ai une idée dans la tête. Ça va être fabuleux. Vraiment, va me bleacher les cheveux. Little Jesus of the coloration, please. I pay my Olaplex. It's expensive. And I put it in my hair for about 3 weeks to restore my hair and to be able to do the bleach. Oh, I positionné. So please, hear me. Make my hair strong. Because I'm strong enough to live without you. Strong enough. Si tu reconnais la chanson, je t'aime. Alors, ben, je reviens blond blanc. Ben, je le suis déjà, mais je veux dire, c'est où est-ce que je le suis pas, là. C'est triste parce que je trouve ça beau. Tu sais, quand il y a une repousse, je trouve ça beau, les repousses, mais là, il y en a un petit peu trop. En tout cas, je reviens, ben, j'ai de la gueule, en soi. Gang, pour l'instant, j'ai encore des cheveux. Et si, dans les commentaires, t'as envie de dire comment ça, t'as mis ton bleach partout, c'est normal que tes cheveux tombent. Si mes cheveux te préoccupaient autant... pourquoi ne t'es-tu pas porté volontaire pour venir faire juste ma repousse?
Alors, si j'ai plus de cheveux et que tu chiales que c'est normal, je mets le blâme sur toi. Sur personne d'autre. Juste sur toi. Je vais juste te montrer aussi, parce que j'ai oublié de te le montrer, mais mon décolorant préféré de pharmacie. Moi, je le fais à la pharmacie. Ben, je l'achète à la pharmacie. Fait que, puis tu ne mets pas des pierres, là. Mais c'est le roux violine. Violitis. Ouh, c'est pas beau à dire. Violitis. I get violitis. En tout cas, violite avec un S. Violitis. Et c'est celui que j'aime le plus. Il sent la menthe. Il sent bon. Il est efficace sur mes cheveux. Il me fait une belle couleur. Ça, j'ai à dire. Je reviens dans pas long. Ben, j'espère. Avec des cheveux. Ben, gang, je n'ai pas perdu mes cheveux. Je crois maintenant au pouvoir Olaplex. J'y croyais déjà, mais j'y crois encore plus. J'ai beau tirer, il reste là. L'autre fois, je te le dis, je faisais ça, puis ça faisait... OK. Fait que, wow, yeah, je capote. J'ai une petite confession à vous faire. J'ai inventé une vie aux produits que je vous parlais. Premièrement, c'est quoi la marque? Lunar Tide. Oui, ça ressemble vraiment au pot de Manic Panic, mais c'est Lunar Tide. Et de là, où est-ce que je veux en venir, c'est que je viens de lire Made in the USA. Alors, ils sont pas du UK du tout, du tout, du tout. C'est que la fille que j'ai regardé la vidéo venait des UK. Fait que j'ai mélangé ça. Et là, je dois te dire, sur le site de Lunar Tide, si tu en achètes, le shipping est de 18,99. Par contre, si tu vas sur le site où est-ce que je les ai achetés, Medusa Makeup, le shipping est 6,95. C'est pour ça que j'ai acheté sur le site d'eux autres, puis pas sur le site. Fait que tu vois, moi j'ai inventé une vie. Ils savaient pas qu'ils venaient des UK, maintenant ils savent. Fait que Lunar Tide, je te prierais d'écrire Made in the UK. Et là, je vais te montrer les trois couleurs que j'ai achetées. Évidemment, j'ai lui ici. Il s'appelle le Beetle Green. J'ai acheté le Silver Lining parce que maintenant je vais être tanné des couleurs. Écoute, regarde les deux ensemble. Je pense que pour l'automne, ça serait superbe, non? Fait que, tu sais, automne, puis hiver. Mais là, ce que je veux faire, c'est prendre le Amethyst Purple et faire les deux là ensemble. Et gang, j'ai essayé de vous mettre des photos de chaque couleur. Fait que ici, je vais vous mettre les photos et vous allez voir que, évidemment, vu comme ça, on peut pas se fier. C'est plus sur un cheveu qu'on voit la différence. Et laisse-moi te dire que j'ai choisi ces couleurs-là pour une raison, c'est parce qu'ils sont belles et que j'ai du goût. Ce que je pense faire, c'est commencer par mettre ça sur le haut. Et dégrader avec ça et mélanger avec mes mains. Parce que j'aimerais que ça fasse très purpley, cette couleur-là, jusqu'à gris. Fait que pas mal ça je vais faire. Je vais vous montrer ça en fast forward. Fait que je vais aller me préparer, mettre quelque chose autour de mon cou pour pas salir ce beau chandail blanc-là. Ou je vais me mettre tout nu. Ça dépend. So sexy. Et gang, ça sent là. Ça sent tellement bon. Je sais pas quoi te dire ce que ça sent, mais ça sent bien bon. Et là, je veux juste voir. Regardez, c'est un peu plus clair que ce que ça avait de l'air. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Et là, je veux juste... Oh, mon Dieu, ça va être beau. Je le sais. Oh, je le sais. Regarde. Hello, beautiful! Recoucou tout le monde. Ok. Ce que je pense, c'est que ça, ce n'est pas la bonne couleur que j'ai commandée. Et
je vais mettre les photos de toute façon. Et j'ai essayé de voir comme dessus, est-ce qu'il y a le nom de la couleur, puis je le vois pas. Fait que je pense que quelqu'un s'est trompé, comme a inversé les caps, parce que c'est impossible que c'est la couleur que j'ai achetée. C'est impossible. Impossible, impossible. Impossible. Tu vois que c'est rose. Rose, mauve. C'est bleu. C'est bleu, bleu, bleu. Comme... C'est bleu. Mais le gris, pour vrai, gang, attendez, regardez, je sais pas si vous allez pouvoir bien le voir. Ça, c'est le gris, puis je n'aille pas ça. Pour vrai, toute une tête grise de même, ça serait très beau. Il est très, très beau, le gris. Je l'adore. Mélangé avec le bleu, parce que ce n'est pas fuchsia du tout. C'est pas rose, c'est bleu. Mélangé avec le bleu, je n'aille pas ça. Je vais m'y faire. Là, faut que j'aille me débarbouiller un petit peu les côtés. Puis faire des touch-ups, mais ça a l'air bien. Le reste à savoir, est-ce que ça va durer ou ça va couler aussi vite que du Manic Panic. Fait que laisse-moi en commentaire, toi, la coloration que t'as essayé, que t'as aimé le plus au monde. Des couleurs flash, gang. Fait que des couleurs plus funky. Et dis-moi... dis-moi pas... comment ça s'appelle ça, mon Dieu? Quand j'étais en coiffeur, tout le monde parlait de ça. Illumène. Parle-moi pas de ça, je veux pas aller le faire. Moi, je veux le faire moi-même à ma maison. Fait que parle-moi de couleurs que t'as essayé, que t'as aimé. J'ai jamais essayé les Foxy. Tu quelqu'un qui l'a essayé et qui a aimé ça? Mais bon, jusqu'à présent, la couleur est super brillante. Je suis pas déçu du résultat. Je suis juste pas habitué. Mais je n'aille pas ça. Tout me va bien de toute façon. Fait que it's cute, it's cute. Puis c'est ça. Fait que je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et là-dessus, je vous dis bye. I love you.